Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui l'Irfouat Gabriel ben Louis, Zara bat Mazaltov Shish Portish et Avraham ben Chana Chava Betoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia Perektet Mishnah Dalet. Amekabel Sadem Echavero, Velo Ratzale Nakesh, Vamar Lomech Patlach, Hoil Vani Notan Necha Chikurecha, En Shomin Lo. מפני שיכול לומר לו, למחר אתה יוצא ממנה ומעלה לפני עשבים. On commence par traduire la première partie, comme ça on présente le cas, et on explique ensuite. Amekabel sadeh mechavero, on parle toujours d'une personne qui, d'un agriculteur qui prend, qui reçoit le bail d'un champ, donc le droit de l'exploiter, en payant un prix fixe cette fois-ci, donc on va parler d'un choker. Velo ratza lenakesh. Et ce qui se passe, c'est que cet agriculteur n'a pas voulu désherber le champ. Va à Marlo, et il a dit au propriétaire, qu'il a donc engagé, « Maïr patlach, qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Oïl vani notanecha rikurecha » Puisque de toute façon, tu reçois ton prix fixe, ton bail. On parle d'un agriculteur qui reçoit donc un champ en bail à prix fixe. Maintenant, pour que les céréales poussent bien, alors il faut à un certain moment passer dans le champ et enlever toutes les mauvaises herbes qui y poussent. Pour deux raisons, c'est rapporté comme ça. Premièrement, parce que les mauvaises herbes, elles, puisent les forces du sol et elles empêchent aux céréales de bien pousser. Et en plus de ça, apparemment, je n'ai pas trop compris comment, mais en tout cas, il y a un moment où les mauvaises herbes empêchent même les céréales à s'élever davantage. Et donc, c'est un dommage relativement conséquent quand même, d'accord, non négligeable. Et ce qui se passe, c'est que là, dans notre Mishnah, on parle spécifiquement d'un choker, pas d'un haris. C'est-à-dire de celui qui va payer un bail fixe à l'année pour exploiter le champ. Quoi qu'il arrive, tu recevras l'équivalent de 10 000 shekels de blé du champ, un prix fixe, pas au pourcentage, d'accord. Et dans ce cas-là, on aurait pu croire que maintenant, ce qui se passe, c'est que cet agriculteur, pour x ou y raison, il préfère, lui, ne pas se casser la tête à désherber le champ, enlever toutes ces mauvaises herbes, et il prétend maintenant au propriétaire, il lui dit, qu'est-ce que ça peut te faire, finalement, ça n'engage que moi. Toi, ton préfixe, tu le recevras, tu l'auras, et puis c'est tout, on se doit rien. Donc, est-ce qu'on peut entendre une... D'accord, est-ce qu'il a le droit de prétendre pareil, donc de s'abstenir de désherber le champ? La Mishnah nous enseigne « En shomin lo ». Il n'a pas le droit. On ne l'écoute pas. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de prétendre... Il n'a pas le droit... Il est obligé, il est contraint, il est astreint de désherber le champ. Pourquoi ?« Mipene sheyachol lo marlo » Parce que le propriétaire qui lui a donné le champ en bail pourra lui prétendre en retour « Les machar atayotse mimena »« Demain, tu vas sortir de ce champ »« Umaala lefanai asabim » Et ce genre va faire pousser devant moi davantage de mauvaises herbes. C'est-à-dire, on s'explique un petit peu mieux, parce que ça manque de mots, en fait, il manque une transition. Il s'avère que la Gemara précise davantage, ça va être apporté dans le Barthénora, cet agriculteur qui ne veut pas travailler, il lui dit bien en plus, sache que je m'engage malgré tout, qu'à la dernière année, supposons qu'il a pris le bail pour 3 ans, la troisième année, avant de sortir, une fois que j'aurai fini de... cultiver tout le blé qui sera dedans, je m'engage à te labourer une dernière fois le champ après coup. Or, labourer le champ une fois qu'on a moissonné le blé, ça a l'avantage que maintenant on déracine de nouveau les mauvaises herbes. Et alors, on parle en réalité, il manque une petite phrase de transition, que l'agriculteur s'était engagé, donc quand il a dit que je veux pas labourer, il lui dit t'inquiète pas, toi tu vas rien perdre, premièrement parce que je vais te donner ton préfixe, et deuxièmement, en plus de ça, lorsque je vais libérer le champ, ne t'inquiète pas, je laboure une dernière fois, je supprime ainsi toutes les mauvaises herbes qui sont dedans. Et malgré tout, le propriétaire l'empêche de faire ça, il lui dit non, tes conditions en tant qu'agriculteur sont de labourer, sont de déraciner chaque année d'enlever ces mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'autrement, les mahar atayotse mimena, demain tu vas sortir du champ, ou ma'ala lefanai asavim, le champ va faire pousser devant moi des mauvaises herbes, davantage de mauvaises herbes. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est vrai que quand tu vas labourer, tu vas réussir ainsi
à déraciner les mauvaises herbes. Mais malgré tout, quand tu vas les déraciner, elles vont laisser tomber des graines. D'accord? Il y a des graines qui poussent, qui sont dedans. Donc ensuite, tu vas toutes les déraciner, tu vas ensuite les ramasser. Mais les quelques petites mauvaises graines par-ci par-là qui sont là, elles vont se retrouver, qu'elles vont être plantées de nouveau avec mon blé quand je vais arriver la quatrième année. Donc, et le champ va faire pousser davantage de mauvaises herbes par ta faute. Donc c'est pas une solution. Finalement, si on conclut, il y a des engagements des deux côtés. D'accord, le propriétaire et l'agriculteur. L'agriculteur, lui, il est engagé par les, ça rapporté dans le Tosotamtov cette fois-ci, par les Minhag à Medina, l'usage en vigueur dans le secteur, et en général, l'usage en vigueur est toujours de déraciner partie. Donc, comme on a dit, au moment où le blé il est planté, une fois qu'il est planté, on passe à un moment et on déracine tout. Et il est astreint à faire ça, et à partir du moment où il y aura un quelconque désavantage pour le propriétaire, si l'agriculteur procède autrement, il pourra l'imposer de se conduire comme tout le monde a l'habitude d'entretenir le champ. Autrement, on arrête là, tu sors et j'amène quelqu'un d'autre à ta place. Et on fait à présent le Bar Tevora. C'est une Mishnah très courte. C'est bien pour les périodes de vacances quand même, pour moi comme pour vous. Veloratza l'enakesh. On parle donc d'un agriculteur qui a pris le bail d'un champ et qui n'a pas voulu l'enakesh. Le nikush, c'est désherber, enlever les mauvaises herbes. Il nous explique le Bar Tevora l'enakesh. Les nakot atvoa me asabim raim. Nettoyer les céréales des mauvaises herbes. Pourquoi? Chez matishin koach akarka. Parce que ces mauvaises herbes, elles sont matish. La tish, c'est affaiblir. Elles affaiblissent la force du sol. O meakvin atvoa mila'alot. Et elles empêchent les céréales à bien s'élever. Et donc, il lui prétendait quoi? Il lui disait Maher patlach. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Finalement, ça n'engage que moi, c'est ma part à moi qui va diminuer chez Asabin, parce que les mauvaises herbes, elles affaiblissent les gerbes de blé, d'accord? Et de toute façon, toi, tu recevras ton bail intégralement. Donc, qu'est-ce que ça peut te faire? Malgré tout, la Mishnah nous dit qu'il peut l'empêcher. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.